Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 22 novembre 2018 et nous sommes le jour de la Sainte Cécile. Et il y a un proverbe en provençal qui dit « Par la Sainte Cécile, chaque fève en famine ». C'est-à-dire, pour la Sainte Cécile, chaque fève en famine. Alors on voit ces petites ficelles, ça c'est pour les chats. Ce sont des fèves que j'ai fait avant la bonne date. Pour une simple raison, c'est qu'avec le dérèglement climatique, à part l'Américain qui prétend le contraire, on plante les fèves maintenant un mois avant. Mais je garde la tradition, ma dernière orée, je la fais le 22 novembre. Voilà, quand on parle de dérèglement climatique, pendant ma jeunesse, j'ai travaillé dans une cave coopérative pendant mes congés et j'ai également travaillé à faire les vendanges. On n'a jamais commencé avant le 1er octobre. Et maintenant, il doit bien se tromper, ce monsieur, parce qu'au 1er octobre, il y a longtemps que les vendanges sont finis. Allez, on va voir comment se passe la réalisation de ce semis de fèves. Je viens d'arracher poivrons et aubergines, là où je vais planter. Et il va falloir réenrichir le sol. Alors voilà mes composteurs. Ils sont numérotés, ça me permet de suivre l'ordre de remplissage. Lorsque je les vide dans des barriques en plastique, ce qui me permet d'avoir encore plus de place. Et là, aujourd'hui, je vais prendre le compost dans ma réserve. Voilà les barriques de ma réserve. Celle-ci plutôt est pratiquement vide. Et il va falloir que je vide un composteur. Je vais ajouter également du fumier de cheval que je mets à fermenter, à pourrir dans ces barriques avec un petit peu de sulfate d'ammoniac. Mais lorsqu'il y a beaucoup de paille, c'est très long à transformer en terreau. Le fumier fini, c'est difficile de l'avoir, mais il va continuer à pourrir dans le jardin. Et au printemps, il sera sûrement très bon. Voilà réunis mes 4 seaux. Alors, il y a 2 seaux de terreau qui sont ici, que vous avez vu tout à l'heure dans la barrique. Ici, un seau de fumier de cheval. Et là-bas, une demi-pelle de fumier de pigeon. Voilà, maintenant, je vais étaler le tout pour que ce soit un petit peu homogène. Voilà, maintenant je vais passer au lichetage et vous allez vous étonner de voir que je travaille encore à l'ancienne. Mais depuis que je suis à la retraite, je ne vois pas l'utilité de passer le motoculteur, je ne fais pas de sport, c'est mon exercice quotidien. Voilà, maintenant je vais égaliser le terrain et ensuite je vais commencer à faire l'arrêt pour planter, pour semer plutôt. Je viens de tendre mon cordeau, alors distance entre les raies 60 cm, mais je mets mon cordeau à 50 parce que je fais l'arrêt à gauche du cordeau. À l'image, les raies ne paraissent pas droites, simple effet de perspective. Maintenant, je vais semer les fèves. Alors je les positionne une, puis deux, puis etc. Et j'essaie de les positionner verticalement avec le point noir en haut, ce qui leur permettra de pousser un peu plus rapidement. Alors les deux raies qu'on a sous les yeux, ce sont des fèves Agadus. Et la distance entre les graines, c'est pas loin de 20 cm. Je viens d'enlever le cordeau. Et pour repérer les raies, à chaque extrémité, j'ai mis 3 piquets. Alors il est vrai qu'avec un seul ce serait suffisant, et 3 piquets pour quelle raison? Ben, tout simplement pour les ficelles que je vais mettre comme à côté, pour éviter aux chats de venir me ravager le jardin. Je vais maintenant recouvrir, il ne faut pas mettre une grosse épaisseur de terre, mais un petit peu plus que pour les haricots verts.
Et voilà, les deux raies sont terminées. Et bien maintenant, rendez-vous à la récolte. Hein.